À Yves Dussart. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, mes chers collègues, si vous me le permettez, je commencerai mon intervention en évoquant deux discussions personnelles toutes récentes avec des maires du Valenciennois, parce qu'elles sont pour moi très éloquentes. La première discussion avec un maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, que je connais fort bien. Il, ou plutôt elle, m'a résumé les nouvelles dispositions en faveur du territoire par une expression qui lui revient. Tio, on s'en doutait bien que le catalogue des contrats de territoire était intenable et irréalisable. Je ferme les guillemets. La deuxième conversation avec le maire d'un village nouvellement élu en 2014, et la précision est importante, il, ou plutôt elle, encore une fois, trouve dans les critères des aides aux villages et bourgs une clarté évidente et un calendrier annuel qui lui permet d'envisager de pouvoir déposer un dossier tout prochainement, alors qu'elle ne pensait jamais pouvoir le faire et pire, y avoir jamais droit. À travers ces deux exemples, je pense que beaucoup est dit. Nous n'allons pas refaire l'inventaire ni le moratoire de la politique des contrats de territoire de la précédente majorité. Néanmoins, rappelons qu'aux 930 millions de projets promis, qui n'étaient pas synonymes de projets budgétés et actés dans le temps, nous répondons avec des inscriptions 2017 en investissement à hauteur de près de 170 millions, dont la plupart des sommes concernent des budgets reconduits pluriannuellement. L'exercice n'était pas simple, car dans notre budget 2017, ou plutôt le budget de M. le Vice-président, nous payons encore le prix des engagements pris dans les premiers mois de l'année 2015 par nos prédécesseurs, et ce, à la hauteur de près de 28 millions d'euros. L'exercice était par contre essentiel, car malgré les difficultés financières rencontrées et confirmées et soulignées par la Chambre régionale des comptes, nous souhaitions montrer aux maires et aux présidents des EPCI notre soutien et le positionnement de notre institution comme le véritable chef de file des solidarités en matière de développement du territoire, et ceci, notamment face au recul du gouvernement matérialisé par la baisse des dotations qui saignent les différents acteurs du territoire. Le 13 juin 2016, porté par notre vice-président Guy Bricout, nous avons fixé le cadre instituant les nouveaux dispositifs de soutien aux projets d'investissement des territoires. Notre département, partenaire essentiel des solidarités territoriales, doit être le garant de son équité. Les dispositifs soutien aux projets territoriaux structurants et aide aux villages et bourgs ont répondu aux attentes des élus, permettant ainsi d'accompagner les projets du quotidien et de proximité, mais aussi de bâtir des programmes structurants porteurs de valeur ajoutée pour les territoires. À cela s'ajoute une nouvelle offre d'ingénierie sous la forme d'un EPA et reposant sur l'expertise et la mise à disposition de nos agents départementaux. Désormais, les communes pourront être accompagnées dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Le département œuvre au quotidien à la mise en application de la solidarité sur le terrain. Avec ce dispositif, vous avez choisi d'aider les petites communes, les moins favorisées en matière d'ingénierie. Les conseillers départementaux des cantons ruraux et Patrick Valois, notre vice-président de la ruralité, savent déjà cela et mieux que d'autres, que ces interventions sont indispensables pour bon nombre de nos petites communes. Vous m'avez compris, les nouveaux dispositifs sont réalistes et complémentaires, tout en ayant une vision stratégique et transversale. Réaliste, car c'est une politique en adéquation avec la situation financière de notre collectivité. L'enveloppe des crédits alloués sera votée annuellement. C'est une preuve de plus de la responsabilité politique et financière de notre majorité, même si cela doit décevoir certains observateurs ce matin. Pour nous, mieux vaut 1000 refus qu'une promesse non tenue. En effet, mes chers collègues, il est inconcevable de reproduire les errements de nos prédécesseurs. Chaque année seront honorées les dépenses que nous aurons délibérées, ni plus ni moins. Pour son baptême du feu, le lancement de l'appel à projet a connu un grand succès auprès des communes et des EPCI. Un bilan positif à la hauteur des enjeux. Quelques chiffres pour alimenter mon propos. Sur les projets territoriaux structurants,
97 projets ont été déposés par 65 maîtres d'ouvrage différents. Sur les villages et bourgs, ce ne sont pas moins que 321 projets déposés par 259 communes de notre département. Afin de faciliter la bonne tenue des appels à projets, chaque arrondissement se verra doté d'un référent territorial. Ce référent est un interlocuteur privilégié qui répondra aux interrogations, mais conseillera aussi les porteurs de projets. Dispositif complémentaire, assurément. Les crédits alloués assurent un équilibre pour un aménagement cohérent des territoires. Si je prends l'exemple de mon arrondissement, le Valenciennois, 10 projets villages et bourgs seront soutenus et 17 projets structurants. Une enveloppe de près de 4 millions d'euros a été allouée sur une enveloppe globale de près de 29 millions d'euros. Les deux fonds répondent à la particularité de mon arrondissement d'être un territoire disparate. Dispositif transversal. Sur la programmation 2016, une réflexion collégiale a été menée en adéquation avec les programmes d'investissement pour chaque thématique concernée. Ces dispositifs garantissent davantage de transversalité pour une vision stratégique des territoires. Avant de continuer mon propos, je tiens à remercier l'ensemble des vice-présidents pour la qualité du travail qui a été mené durant l'année 2016. Grâce à la maîtrise des dépenses, nous pouvons désormais sortir la tête de l'eau et regarder vers l'avenir. Vous avez choisi de maintenir la dynamique de relance de l'investissement au bénéfice des solidarités territoriales. Pour l'année 2017, vous proposez un budget qui garde son cap avec 35 millions d'euros aux projets dédiés PTS et ADVB. Toujours en matière d'investissement, le département du Nord continue à s'affirmer comme le premier partenaire des grands projets stratégiques. Je pense ici au canal Seine-Nord-Europe. Ce grand projet sera soutenu de façon pluriannuelle par notre département. Vous avez fait le choix d'investir dans l'avenir en accordant au budget 2017 25 millions d'euros pour ce projet, dont les travaux doivent démarrer en cette fin d'année. Rappelons que le département a fixé définitivement sa participation à 200 millions d'euros en adoptant le protocole financier en décembre 2016. Ce grand chantier du 21e siècle est sans nul doute le projet créateur d'emplois pour ces prochaines années et le département du Nord est au rendez-vous. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais ce projet n'est pas le seul. Je note aussi l'investissement du département pour le déploiement du très haut débit, le renforcement du métro lillois ou encore l'extension du transport en commun en site propre dans le Douaisis. En ayant voté l'année dernière un budget construit, raisonné et raisonnable, l'institution départementale a pu continuer d'assurer l'entretien des voiries départementales ainsi que la sécurité et la mobilité des nordistes, chers à notre vice-président Arnaud Decagny. En matière d'investissement, des projets de maillage territorial ont vu le jour. C'est notamment le contournement du Cateau Cambrésis, mais aussi l'emblématique contournement nord de Valenciennes qui me touche tout particulièrement, ainsi que mes collègues élus du Valenciennois. Les travaux de ce dernier ont été lancés et ce programme territorial constitue un véritable chantier structurant à l'échelle du Nord pour la période du mandat. Cette opération représente en effet un ambitieux projet d'aménagement du territoire élaboré dans le respect des enjeux du développement durable et sera par la suite un axe routier majeur et plus qu'indispensable pour redynamiser le territoire et contribuer au maintien et au développement économique de ce secteur. Au budget de 2017, sont donc inscrits plus de 7 millions d'euros pour assurer les travaux de ce contournement qui, signalons-le, générera aussi des recettes à hauteur de 1,7 million d'euros, représentant la participation de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et du groupe Auchan. Cet élément déclencheur, prépondérant et non négligeable, est une preuve évidente qu'en mutualisant les moyens et les efforts, il est possible de réaliser de belles choses, de beaux projets, même vieux de plus de 30 ans, comme aurait eu plaisir à le souligner notre regretté collègue et ami André Lenquette. Concernant la voirie départementale, il est à noter que cette année, nous avons transféré 800 km de voirie à la métropole européenne de Lille et que notre réseau routier représente donc aujourd'hui 4 500 km. Il s'agira pour le département
concernant ce réseau de veiller au maintien en bon état du patrimoine routier départemental, mais aussi de garantir la sécurité routière hors agglomération. Une desserte efficace des territoires, en particulier ceux de la ruralité, doit continuer à être assurée. Les dépenses principales tourneront donc autour de l'entretien et la réparation des chaussées pour plus de 4 millions d'euros en 2017. Il s'agit notamment de l'entretien des dépendances, des activités de curage, de fauchage ou encore d'épandage. À noter également que le dispositif bordure et trottoir a été reconduit pour cette année compte tenu de son succès en 2016 pour 1 million d'euros. Quant au projet de voirie d'intérêt locaux, une enveloppe de plus de 7 millions y est spécialement dédiée. Le département continuera également à entretenir son patrimoine d'ouvrages d'art et à mobiliser des moyens d'intervention sur le réseau départemental dans le cadre de la viabilité hivernale. Enfin, en matière de transport, 2017 sera un budget de transition, puisque la compétence transport sera au 1er septembre 2017 transférée à la région, hormis le transport des élèves en situation de handicap que le département continuera à en prendre en charge, et ce, dans le cadre de la politique autonomie menée par notre collègue et vice-présidente Geneviève Manarino. Je ne dresserai pas la liste des indicateurs aujourd'hui orientés à la hausse, mais je dirais tout simplement que nous avons interrompu le déclin budgétaire de notre collectivité et nous commençons enfin à renouer avec la maîtrise dans le but, notamment, de maintenir l'aide aux territoires pour leurs projets d'aménagement. N'en déplaise à certains, les dispositions prises l'an dernier portent leurs fruits. La politique d'aménagement et de développement du territoire rencontre un succès certain auprès des acteurs de terrain. Mes chers collègues, je tenais à vous réitérer toute ma confiance. Le groupe Union pour le Nord se félicite du budget présenté ce jour. Il votera en faveur d'une politique respectueuse des engagements pris auprès des nordistes. Je vous remercie. J'ai envie de dire merci Thio. Transmettez toutes nos amitiés à notre ancienne collègue, toujours jeune, Cécile Gallet.